Allez, nous allons commencer les podiums avec... Festa. Test 1, 2. Test 1, 2.
Test. Bien, celui-là. Alors, si ça fait claque, c'est 1. Jean-Pierre. Bon, je reste là avec. Allez. Ça va mieux. Quelle misère. Voilà, bien chers amis, nous allons pouvoir effectuer. Test 1, 2. J'y peux rien. J'avais mis pense que je fais l'arsène avec ça. Test. Allez, ça revient, c'est comme au printemps. Je peux y aller, Manu ? Ok, merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je m'excuse un petit peu de vous avoir fait attendre un petit peu, mais enfin, il fait beau, nous avons une excellente journée. Donc, il n'y a pas de souci, on va procéder à ces podiums de la journée. Nous allons commencer par les Mini 60. J'espère que tous les pilotes qui sont concernés par les podiums de la journée sont venus nous rejoindre en combinaison et avec le casque.
Le podium des Billy 60, j'invite à monter sur la troisième marche du podium, Carsten Sauer. Sous les applaudissements chaleureux de toutes et tous, s'il vous plaît. Second, Léo Lemeloise. Le vainqueur, Charles Durand. Allez, c'est bon. Le podium des 60. Voilà le podium des 60. On fait un tonnerre d'applaudissements à ces trois pilotes, s'il vous plaît. Le team manager de Charles Ural est-il parmi nous? Il n'est pas là? Quelqu'un? Ou le mécano? Oh là là, regardez un petit peu la souplesse. Assez à bon applaudissement. Hein. Waouh! La souplesse! La PP carte! À l'honneur une fois de plus! Autographe. Les photographes, ils ont fini. Ouais, faut en rire, hein. Putain. Voilà, merci messieurs. Bravo encore. Je vous rappelle qu'à l'issue des podiums de la journée, nous aurons les podiums du championnat. Par contre, donne ton casque. Ouais. Ouais, génial. Et le mécano, t'aurais pu participer quand même. Ah, t'es pas courageux, hein. Voilà, merci à nos 3 midi 60. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Voilà, suivre. Nous aurons le podium des Repax au Max et Messer. J'espère que les trois pilotes sont là. Vous faites un petit coucou, je suis dans le stand. Hein. Éric Lemaine, Jacques Jouveau et Florian Bourdon, vous êtes là, vous êtes présents? C'est marrant, si vous voulez en acheter un. Yes. Allez, j'invite à monter sur la troisième marche du podium, Florian Bourdon. La seconde marche du podium, Jacques Jouveau. La plus haute marche du podium, il en a l'habitude déjà, Éric Lemaine.
Allez, vous applaudissez. Voilà ce podium des Rotax Max Master, les amis. Le vainqueur Éric Lemoine, second Jacques Giraud, troisième Florian Bourdon. On les applaudit. Le team manager ou le mécano d'Éric Lemoine, il est où? Il est là? Allez. Il y a qui le sac? J'ai monté là-dessus, moi. C'est toi? Allez, vos applaudissements pour ce podium des Rotax Max Master, s'il vous plaît. Merci messieurs, et maintenant, vous connaissez un petit peu la procédure du podium. Vous avez déjà du métier dans ce genre de choses. Les bouteilles de pété. Voilà, c'est génial. Ah, la Jacques, il va en prendre plein la liquette, comme on dit. Voilà, on peut encore les applaudir, ce n'est pas interdit. Allez-y, au liqueur. À suivre les DD2. À suivre, nous allons effectuer le podium des DD2. Allez, je vais inviter à monter sur la troisième marche du podium, Antoine Brogio. Sur la seconde, Antoine Barbaro. Et sur la plus haute marche, nous allons avoir quelqu'un de la SK. 61, Paul Fourcurin. Alors, les photographes sont prêts, bien sûr, à les fusils à bout portant. Voilà Paul qui monte sur le podium et sur la plus haute marche du podium maintenant puisqu'il est vainqueur de la finale. Pilote qui a pris la catégorie de DD depuis 2 ans. Ça va bien, ils ont tous le sourire. Les photographes, il n'y a pas de problème. Le team manager appelle. Il est là, le team manager. Ça va bien. Les gars. Ouais. Ça, c'est pas le championnat, mais là. Non. Allez messieurs, à vous les bouteilles. Allez les gars, on s'arrose mutuellement. Voilà, bravo messieurs, je rappelle le vainqueur, Paul Fourcurin, second Antoine Barbaro, troisième Antoine Mojo. Allez les cœurs, on leur fait une salve d'applaudissements, s'il vous plaît.
c'est la catale. Putain, je m'en souviendrai. À suivre, nous allons effectuer le podium du DDD Master. Le podium des DD2 Masters. Je vais inviter à monter sur la troisième marche du podium Vivien Cussac-Picot. Seconde marche du podium pour Charles Seguin. Et il va se faire le plaisir de monter sur la plus haute marche du podium. C'est peut-être le plus grand des trois d'ailleurs. Maxime Gravouille. Allez, vous les avez applaudis, le responsable de Maxime Gravouille, il est là, ou le mécano, et à Benoît Lambert, qui va se faire le plaisir de monter avec Maxime Gravouille. Il n'est pas beau ce podium ? Allez, vos applaudissements, chers amis. Voilà, merci messieurs. À vous les bouteilles. Voilà, merci, bravo messieurs. Allez, nous allons passer à la catégorie nationale. La catégorie nationale, j'invite à monter sur la troisième marche du podium, Tilian Apio. Sur la seconde, il va se faire ce plaisir, Victor Galvich. Et sur la plus haute marche, Hugo Lacroix. Et on va inviter bien évidemment le responsable d'Hugo ou son mécano. Alors j'en ai... La seule qui te manquait. Non, je ne sais pas moi. J'ai que la journée là. Je te les ai donnés tout à l'heure, c'est Jérémy qui les a. Non, j'ai pris que les... La journée. Je te les ai donnés juste avant l'entrée. Tu vas appeler Morgane. Ah bah non, moi j'ai pas le numéro. Il lui dit, ça va être... T'es sûr qu'elles sont là ? Il y en a. Allez, vos applaudissements pour ce podium.
des nationaux. Hugo Lacroix vainqueur, Victor Galmi, second, troisième, Mathilde Pion. Le dernier de podium de la journée, ce sera le podium des Rotex et Max Senior. Allez, je vais inviter à monter sur la troisième marche du podium. Il est troisième, bien évidemment, Mathis Parlaro. Seconde marche du podium, Simon Perrini. Et sur la haute, il a conquis le titre de champion de France 2024 cette année à Muret. La semaine dernière, il était sur le podium également à Varennes-sur-Allier. Il va monter une fois de plus sur le podium, mais ici, sur le circuit international de Lille-les-Bois. Milos Web. Et puis, son responsable ou mécanicien, il n'y a pas de problème, il peut se présenter auprès de Jérémy, il n'y a pas de souci. Allez, des applaudissements pour ce podium des seniors, les amis. Voilà, bravo messieurs, à bout les bouteilles. À moins qu'on vous enlève peut-être les casques. Voilà, merci messieurs, bravo encore. Voilà, et maintenant, vous, les bouteilles. Enlevez peut-être vos casques, ce sera préférable. Allez, messieurs. Merci, bravo encore. Thank you.
D'accord, bah comment toi tu vas faire ça? Voilà donc les podiums de la journée. Et un, deux. Allez, les trois. Votre attention, s'il vous plaît. Les trois premiers de chaque catégorie du championnat, de chaque catégorie, sont invités à se présenter auprès de Jérémy, s'il vous plaît. Jérémy Meunier qui vous attend. Les trois premiers de chaque. Du championnat de chaque catégorie. Vous êtes invité à vous rendre auprès de Jérémy. Nous allons commencer le podium du championnat concernant les catégories mini et restantes. Je vais éviter mon fils de la troisième marche du podium et le troisième avec 373 points. Aaron Bordonella. Seconde marche du podium. Pour ce pilote qui a totalisé 373 points, Mac Millard. Il a totalisé 448, il est monté sur la première marche du podium, il est arrivé en tant que leader de cette catégorie, il remporte ce championnat, Carsten Soler. Le responsable de Carsten, s'il vous plaît. Super finale, c'est génial. Voilà, on peut le faire, les applaudir, hein, il n'y a pas de souci. Allez, tout le monde, tout le plus haut. Allez, encore des applaudissements pour rester 3 minutes 60, le temps premier du championnat national Series Karting 2024. Ah, Max, c'était fait, hein.
Un peu bouché de vous, les garçons, il faut mettre de la pression. Mais là, Mac. On peut aider la main qui a débouché la bouteille, s'il vous plaît. Ouais, c'est super.
Le problème de Bibibo. Je vais vous commenter sur le troisième match. Antoine Barbaro, qui a totalisé 418 points. Paul Fourquemin sur le second match. 466 points pour Paul. Et le vainqueur, il en totalise 470 points. Antoine Roger. Et puis le team manager d'Antoine, bien sûr, qui est invité à rejoindre son pilote. Abidjo qui est allé à la grande finale à Sarre-Lanty. Paul Fourquemin également. Bravo messieurs. C'est là les amis photographes. Allez, les traditionnelles bouteilles, les amis. On va enlever vos coffres, que ce sera préférable. Voilà, et maintenant, Brodji avait préparé sa bouteille. Allez, je vous rappelle ce podium que vous avez donné à Antoine Brodji, le cœur, pour faire que mon second, Antoine Barbaro, au troisième. Allez, mes applaudissements généreux pour ces trois pilotes qui nous ont offert un superbe spectacle. Nous avons une bonne journée encore aujourd'hui. Super week-end, bien sûr, le circuit international de Denis-Libois avec le Gripon qui doit être satisfait, bien sûr, de ce week-end, cette météo qui a été favorable pour cette finale. Voilà, nous avons donc le podium de Didier de Master. Allez, le sujet pour Antoine Brodji qui se fait prendre en photo. Voilà ce que c'est. Le podium de Didier de Master. Tout à l'heure, il est monté sur la plus haute marche du podium à l'occasion de cette journée. Il va monter sur la troisième marche du podium et le troisième du championnat 2024 National Series Karting. Il a 416 points, Maxime Graville. Second avec 438 points, Vivien Cossette-Picot. Et sur la plus haute marche du podium, ce pilote totalise 478 points. Il est la même équipe d'ailleurs que Vivien. Charles Seguin. Et puis le manager de Charles qui va se faire le plaisir de le rejoindre sur le podium. Nicolas Picot en l'occurrence. Allez, chers amis photographes, à vous d'ouvrir vos appareils, de les prendre en photo sur tous les angles. Et puis les applaudissements, oui, bien sûr, du public qui est devant eux. Voilà. Allez, Maxime, enlève ton casque.
Allez, amusez-vous avec les boutons, mes amis. Ah, ça va pas faire là. Hein. Voilà, on dit même place qui peut être statistique, car il y a les deux premières places de ce championnat. Troisième maison qui est victime et gravure. Voilà, Musique qui s'applique qui gagne le RMCT et puis Nicolas Picot qui remporte l'Euro Challenge. Bah, ça va bien chez NPS. Hein. Le podium des nationaux maintenant. Troisième de ce championnat 2024 national de la National Series Karting, Gabriel Benetti. Second marché du podium pour Mathieu Delergne. Et la combi maintenant, la combi. Le vainqueur, il totalise 426 points, 390 pour Mathieu Delergne, 368 pour Gabriel Benetti. Le vainqueur de ce championnat 2024, à l'Élysée, Gérard Day. Le manager d'Élysée, il va le rejoindre bien évidemment. Il est là, le manager de l'Est Gérardet. Voilà notre ami Dudo qui va accompagner, qui va les retrouver à l'Est. Vos applaudissements pour ce superbe podium national. Voilà les garçons, vous allez y arriver. Ouais. Venez, messieurs. Je vais éviter Mathis sur la troisième marche du podium. Mathis Parlant qui totalise 368 points. Sur la seconde marche du podium, ce pilote totalise 380 points. Madame Lemoyne. Et le vainqueur. Il est excellent ce week-end d'ailleurs. Il totalise 394 points. Simon Perrini.
Le manager de Simon va le rejoindre bien évidemment sur le podium. Allez, le sourire, monsieur Moulin, le sourire. Voilà, c'est bon, les photographes. Allez, vous mettez vos casques à l'abri et vous les traditionnelles bouteilles. Merci monsieur. Un message très très important. Tous les vainqueurs des tickets grand final sont invités à monter sur le podium pour la photo de famille. Très très important pour Frank Evans d'avoir cette photo. Je rappelle, j'invite tous les vainqueurs qui ont tous les pilotes qui ont des tickets pour la grand finale. Je vous invite à monter sur le podium, s'il vous plaît. Allons-y. Allez, tous les pilotes qui ont le ticket pour la grande finale. Je vous invite à monter sur le podium, mes amis. La photo de famille. Voilà, là, il en manque. Hein. Louis, avec un ticket. Non, pas vu. D'accord. Donc là, tu fais quoi là? Photo, allez, go. Alors, vous restez bien en place, les amis, car à l'issue de cette photo, il y a une vidéo réalisée par 4 clubs. Restez en place, les gars. Si tu veux tourner, c'est pas bon sur la photo de tout. Et attends, oui. Paul Fourquemin. D'accord. Voilà, et après ça, après cette photo vidéo, il y aura la récompense pour la meilleure équipe qui aura le plaisir de rentrer sur le podium.
Allez les garçons, manifestez votre joie. Ouais. Ah, vous cachez pas derrière les tickets, hein. Alors là, c'est la vidéo. C'est bon? Merci, monsieur. Et puis, quelques minutes vont rester sur le programme. Il y a un trophée pour la meilleure équipe 2024. Ils ont brillé durant ce championnat national sur les karting. Je vais inviter tous les pilotes d'MPS à monter sur le podium. Allez, tout le monde peut ça. Allons-y. Voilà, c'est génial. Et puis, Jérémy qui va remettre à Nicolas, bien sûr, qui est le boss de Team MPS. Bravo, messieurs, levez les bras de plaisir, manifestez votre joie, les photographes, je vous prends une photo. Ah, pas mal, Julien. Ouais. Ah, il avait fait une réserve. Oh, la transpiration. Voilà, merci, monsieur. Claude, Claude, si tu m'entends, est-ce que tu es dans le parage du podium? Allez, allez-y.